Bonjour à tous, c'est Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi, ça va super bien. Écoutez, d'abord, j'espère que le challenge d'une vidéo par jour se passe bien pour vous, que vous appréciez chacune des vidéos qui ont été postées jusqu'à maintenant et que vous êtes super chaud pour les prochaines vidéos à venir. Je vous prépare quand même des petites dingueries et j'espère que vous allez surkiffer. En tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, d'une part, c'est une vidéo que vous m'aviez quand même pas mal demandé et d'autre part, c'est la suite logique de la vidéo de la semaine dernière et c'est justement la tier list des ETB du bloc épée bouclier. Alors évidemment, on reste quand même dans le bloc épée bouclier pour éviter de s'éparpiller à droite et à gauche dans l'immense univers du jeu de cartes Pokémon. Au final, on va pas se mentir, on kiffe tous, on surkiffe même les ETB. Dès qu'il y a une nouvelle extension, l'une des premières choses à faire, c'est d'essayer de chercher des infos sur quel ETB, quelle illustration il y aura, etc. Et qui plus est, après avoir analysé les extensions de ce bloc, je pense que ouais, s'attaquer au coffret le plus attendu et le plus apprécié de chaque extension est, comme je l'ai dit, une suite plutôt logique au final. Donc écoutez, on va s'attaquer à ces fameuses ETB. Vous allez voir, c'est un peu particulier parce que d'une extension à une autre, il n'y a jamais le même nombre de ETB. Parfois, il y a deux versions, parfois, il n'y en a qu'une, etc. Qui plus est, il y a les extensions un peu en édition limitée du Pokémon Center. Je les ai quand même mises dans cette tier list, même si, on va pas se mentir, quasi aucun de nous n'arrive à se les choper, ces éditions particulières du Pokémon Center. Mais bon, c'est cool de les voir au final et de voir à quoi ça ressemble. Donc écoutez, on va arrêter le petit blabla et on va s'attaquer à la tier list des ETB du bloc épée bouclier tout de suite. Donc, on se retrouve sur le fameux site qu'on connaît tous maintenant très très bien, qui est tiermaker.com. Et encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller vous plonger dans le site qui est vraiment oufissime et au final très drôle parce que faire des tier list en vrai c'est un gros kiff. Donc j'ai un peu changé la façon dont je vais présenter cette tier list, vu que bon, les ETB c'est quand même des coffrets, je voulais pas juste les évaluer sur le design. Comme vous voyez, c'est d'abord au niveau du design mais aussi en fonction de l'extension. Une extension peut être pas ouf mais le design excellent, donc c'est pour ça. Je vais prendre ces deux petits critères particuliers pour évaluer la beauté, on va dire, et le pouvoir d'investissement, entre guillemets, d'une ETB. Sachant que toutes les ETB, même d'une extension éclatée au sol, va quand même valoir. Parce que les ETB, c'est vraiment un investissement plutôt safe, j'aurais dit, en termes d'items scellés. Même si quand même, ça peut être vraiment, ça peut exploser de manière exponentielle, en fait. Si l'extension au final est ouf et trop appréciée. Donc voilà, on va l'évaluer en fonction de l'extension, si elle est top ou pas ouf, et au final au niveau du design, s'il est magnifico ou éclatax. Donc on va commencer avec évidemment première extension d'épée bouclier, c'est-à-dire épée bouclier de base. Il y en a deux, il y a Zamazenta et Zacian. Alors pour ma part, celui-là, évidemment l'extension, bon, c'est la même, hein, c'est épée bouclier de base, donc qui est pas, je vais pas dire pas ouf ni au top, je vais dire un petit peu en dessous de la moyenne, je vais dire un petit peu en dessous pour recoller un petit peu avec ce que j'ai dit durant la vidéo de la semaine dernière, parce qu'il faut être quand même logique dans mes propos également. Au niveau du design, celui-là je l'aime particulièrement bien, le rouge bleu foncé ça donne un truc assez classe. Par contre, l'autre version qui est rouge et bleu mais inversé, autrement dit le Pokémon est rouge et l'arrière-plan est bleu, je le trouve pas ouf. En fait, on n'arrive pas vraiment à voir les différents traits et détails du Pokémon. Donc je vais le mettre exactement en miroir, en fait, à l'opposé. Hop. Je trouve pas ce design. Je vais pas dire éclaté, je vais le mettre peut-être, allez, ici, on va dire. Tandis que lui, on va le mettre un petit peu à la moyenne. Truc comme ça. Ensuite, Clash des Rebelles. Clash des Rebelles que j'avais mis comme extension totalement éclatée et j'assume. Bien évidemment, j'aime toutes les extensions, encore une fois, hein, et je critique absolument pas vos goûts, etc. Au contraire, toutes les cartes Pokémon sont belles, toutes les extensions sont extra, mais quand on fait une tier list, forcément, il y a des extensions mieux que d'autres et donc il y en a qui se trouvent numéro 1 au top podium, on va dire, et d'autres en fin de peloton, c'est comme ça. Donc, en ce qui concerne les moins bien, Clash des Rebelles, mettre ce Pokémon, il me semble que c'est pas Shiraja, quelque chose comme ça,
Je ne sais pas. Franchement, on avait un peu survolé l'extension la semaine dernière. Et avec franchement les trois starters en évolution finale. Il y avait quand même quelques petits Pokémon sympatoches. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce Pokémon en particulier. Et c'est pour ça que dans l'extension pas ouf, je vais le mettre en design éclatax. Et honnêtement, à survoler vite fait les autres ETB à venir, je pense que ça sera la moins bien de toutes. De toute épée bouclier, je pense que c'est la moins bien. Et dire qu'en plus, pendant la hype Pokémon de ouf vers 2020, ça remonte déjà à 2 ans, hein, mine de rien. D'ailleurs, je crois que la hype, c'était 2020 ou 2021. Il me semble que ça commençait en 2020, il me semble. Hein. J'ai vu cette TB monter à 80, voire même 100, 120. Je sais pas pourquoi. Ok, les ETB, je l'avais dit déjà, c'est des investissements safe, secure. Quand on a une ETB en scellé, on sait très bien que ça va faire qu'augmenter. Mais pour cette ETB, je ne vois pas pourquoi c'est aussi cher. Probablement parce qu'elle est introuvable, oui, je sais, mais quand même, elle n'est pas oufissime. Ensuite, on passe à Ténèbres Embrasées. Alors, Ténèbres Embrasées, je l'ai mis aussi dans pas ouf, je le sais, la dernière fois. Pour autant, je trouve que mettre Eternatus, c'est totalement logique par rapport aux cartes qu'il y a dans cette extension. C'est l'une des cartes les plus iconiques, j'aurais dit. Je sais qu'il y a le Dracaufeu, mais ils ne peuvent pas mettre le Dracaufeu à chaque fois où il est présent dans une extension. Donc Eternatus représente bien cette extension. Et niveau couleur, je trouve quand même que c'est original. C'est pas des couleurs qu'on a forcément en tête facilement. Enfin, moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire un design comme ça. Donc, je vais le mettre quand même ici. On voit très bien qu'au final, c'est quand même pas magnifico, mais c'est pas mal. C'est bien représenté. C'est bien représenté. Ensuite, Voix du Maître qui est exceptionnelle. On va pas se mentir. Parce que c'est une pointe 5 et parce qu'il y a quand même très belles cartes et qu'il y a des holos automatiques. Ils ont mis le Dracaufeu VMAX. Enfin, partant de ce principe. Quoi dire de plus? Donc moi je vais la mettre en termes d'extension, c'est quand même le top, et je vais dire quand même que le design il est magnifique, hein. Je vais mettre ça ici, hein. Et à mon avis il y en aura plein d'autres, donc je vais un petit peu diminuer, je vais mettre ça ici. Les points 5, c'est un cheat code, on sait tout de suite qu'à chaque point 5 ça sera quasi sûr des extensions de fou, donc je vais le mettre là, comme ça au moins s'il y a des extensions à mettre au-dessus, il y aura de la place. Ensuite, c'est Voltage Éclatant, qui est en fait un carry par le Pikachu, on le sait, qui est une extension, on va dire, moyenne. On va dire moyenne. Pour autant, avoir mis un Pikachu VMAX, c'est ouf. Par contre, je trouve que le design, il est vraiment chelou. Genre, on voit le Pikachu un peu de côté, vu de dessus, machin comme ça. Enfin, je trouve que c'est bizarre, le design. Donc, je vais le mettre, allez, on va dire, je vais le mettre quand même là, aux alentours du Zamazenta, donc ça peut pas être au-dessus. Allez, on va le mettre là, même si en théorie, c'est plus ici, et ça, on va le diminuer ici, pour que ça soit quand même visible. Et comme ça, à la fin de la vidéo, on aura quand même la vue globale. Ensuite, Destinée Radieuse, bon, j'avais dit le petit bémol, c'est le nombre de cartes ultra secrètes à collectionner, ok, qui est vraiment infernal. Mais c'est quand même très très culotté, j'ai envie de dire, d'avoir mis Evoli VMAX. Franchement, j'aurais mis tout, sauf ce Pokémon. Qui plus est, Evoli n'est pas trop représenté. Bon, à ce niveau-là, il n'était pas encore représenté. Bon, spoiler alert, il y a eu Évolution Céleste, hein. Donc, je vais le mettre quand même. Et je vais le mettre un petit peu au-dessus du Pikachu en termes d'extension. Et d'ailleurs, on peut voir qu'au final, c'est le même pattern un petit peu avec Voix du Maître. C'est au final, à part même le Pokémon, il est à peu près de la même couleur. Un peu or, marron, quoi. Et le TB est noir et le décor en arrière-plan est à peu près le même. Je vais pas en tenir rigueur, mais quand même. Ils se sont pas quand même foulés, hein. Faut le dire honnêtement. Mais ça reste très beau. C'est franchement un pattern plutôt puissant et efficace. Donc on va pas se plaindre.
Donc je vais mettre ça comme ça. Parce que évidemment, un Evolive Max, bon, c'est compliqué de rivaliser avec un Dracaufeu VA parce que c'est quand même beau et il n'y a pas eu tant que ça de Dracaufeu, etc. Ensuite, style de combat. Style de combat qui est quand même pas mal. Je pense qu'elle est sous-cotée parce qu'il y a quand même pas mal d'alternatives. C'est l'arrivée des alternatives, etc. Et en vrai, le design, il est plutôt clean. J'ai une légère préférence pour la couleur bleue. Rouge, je trouve que ça rend moins bien. Qui plus est, on voit encore moins les détails. Mais on va mettre un petit peu, on va mettre pas magnifico, mais c'est correct. On va mettre ça là. Et celui-là, personnellement, je le mettrai là. Voilà. Extension, bon, elle est un peu mieux que quand même voltage éclatant, on va pas se mentir. Donc on va le mettre au-dessus de la ligne. Au-dessus de la ligne, mais pas non plus un design de ouf. Allez, on va décaler un petit peu, voilà. Je trouve que c'est bien. C'est les Pokémon représentatifs. Bon, allez. Je veux pas non plus avoir l'air d'un gros crevard. On va mettre ça comme ça. Voilà, je trouve que c'est correct. Rien d'extraordinaire, c'est correct. Reine de glace. Alors franchement, les Pokémon représentatifs, mais pour autant... ouais, ça fait sortir la couleur bleue de la glace, etc. Ouais, on va mettre, en termes de reine de glace, je la trouve supérieure à style de combat. Donc on va mettre ça ici. À peu près la même... Ce qui différencie, c'est juste la qualité de l'extension. Pour autant, je trouve que les designs sont assez proches. Le petit carré à l'intérieur, le Pokémon dans le carré mais qui dépasse sur les bords. Bon, c'est à peu près le même design. Il est beau, il est efficace, mais bon, on va pas se mentir. Ça serait cool d'avoir aussi quelque chose de différent. Évolution céleste. En fait, c'est top. Parce que pour la première fois, il y a plusieurs Pokémon, si je dis pas de bêtises, sur une même extension. Enfin, sur une même illustration de TB. Donc, Évolution céleste qui est quand même godlike. Moi, je vais dire, ah désolé, c'est monté un peu, je vais quand même dire que c'est au top. Ils n'ont pas voulu privilégier une des évolutions. Ils ont mis 4 et 4. Et d'ailleurs, c'est là où on remarque que Voltage éclatant, il n'y a qu'une seule version. Clash des rebelles, une seule version. Et Ténèbres embrasées, une seule version. Pour autant, style de combat, Reine de glace, Évolution céleste, il y a deux versions. Donc c'est un peu bizarre quand même la façon dont ils réfléchissent et ils prennent leurs décisions. C'est à chaque fois la surprise en fait. Est-ce qu'on aura un seul design, deux designs? Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas eu, on n'a jamais eu trois designs, mais qui sait, il ne faut mieux jamais dire jamais de toutes les manières. Donc voilà, Évolution céleste qui est quand même classe. Extension au top, design au top, donc ça surclasse tout le monde. Hein. Célébration. Alors célébration. Il y avait tellement de Pokémon à mettre en valeur et j'en choisis la simplicité. Et pour moi, bon, ils auraient pu mettre un petit 25 ans ou quoi, mais bon, il y a eu le 25 ans des deux joues du Pikachu. Donc bon, c'est vrai qu'au lieu de mettre 25 ans, ils ont mis ça en mode déguisé. Je trouve ça parfait en fait. Parfois, faut pas chercher trop compliqué, faut juste mettre un truc épuré, simple. Ça, c'est un peu de l'image de marque et du branding quoi. C'est la simplicité, parfois, c'est ça domine tout en fait. Et donc, en fait, par principe, je vais mettre ça comme ça, et je vais mettre ça comme ça. Hop. Pour éviter que ça se superpositionne, c'est un peu le défaut un peu de cette façon de procéder, mais j'ai vraiment envie de vous montrer comme quoi une ETB, c'est aussi par rapport à la qualité de l'extension au design, c'est quand même plus cool de faire ça comme ça. Ça, c'est tout ce qui est Pokémon Center. Donc, on va le mettre par-dessus globalement. Même si c'est godlike, hein. Pokémon Center au niveau investissement, c'est encore plus élevé qu'une DB classique. Qui plus est, comme ça, ça fait trop film d'action, etc. Donc, forcément, ça surclasse. Hein. Hop. D'ailleurs, je l'ai un peu inverti, mais c'est pas grave. Pareil, Reine de glace. On voit quand même qu'il y a un petit effet avec deux couleurs à la fois. Genre du blanc, du bleu foncé, machin. Bon, évidemment, c'est plus beau. L'autre, il est un peu plus bas. On va le traiter tout de suite. Donc, point de fusion. D'un coup, après style de combat, de design. Reine de glace, de design. Évolution céleste, de design. Bam,
point de fusion, un design seulement, le Mio. Point de fusion que je trouve sous-coté actuellement, donc pour moi c'est l'une des meilleures extensions des boucliers. Et Mew, quoi dire de plus. Qui plus est, en plus ça m'inspire un peu le Pokémon un peu psy, un peu hypnose, etc. Violet, qui est la couleur du type psy. Et derrière l'effet un peu hypnose, je trouve ça juste trop bien. Donc on va un peu décaler le tout, si vous me permettez, clac, et je vais mettre ça là. Bon, sachant que Célébration, je pense que c'est une masterclass. Je pense que c'est difficile de faire mieux que Célébration. Donc on va mettre ça comme ça. Bon, ça mordit, mais j'ai pas envie après de mettre de l'évolution céleste à design éclatax. Déjà là, on va penser que c'est pas ouf, alors qu'en vrai, c'est oufissime. Donc bon, je vais essayer de mordre un peu comme ça. Hop. Allez, on va mordre un peu. C'est pas grave. Hop. Bon, point de fusion du Pokémon Center. Ah, pour le coup, je le trouve moins bien. Bizarrement, celui qu'on a, nous, en magasin, qu'on a eu en magasin, est mieux. Je vais pas le mettre là, par principe. Parce que bon, ça reste la même extension, etc. Mais bon, c'est pas ouf. Il y a quand même un petit truc, mais je l'aurais mis plus, en toute honnêteté... Bah, je l'aurais mis plus ici en fait. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Vu la rareté du truc, bof. Tant les autres, je peux pas faire mieux parce que c'est déjà très bien. Ils ont pas vraiment changé rien de glace. En Pokémon Center, c'est à peu près la même chose. Évolution Céleste, ça démultiplie encore plus la beauté, mais je vais pas quand même le mettre au max. Point de fusion, un peu déçu. Ça, il me semble que c'est le TB Célébration. Du Pokémon Center, si je dis pas de bêtises, je ne pense pas que ça soit le TB Premium, il n'est pas comme ça. Donc, hop, désolé, je misclique à chaque fois. Je le trouve également très beau. Donc, voilà, c'est le petit fameux logo des Pokémon 25 ans, séparé par la petite queue du Pikachu, bleu, blanc, enfin, putain, bleu, blanc, désolé, noir, blanc. Je trouve ça clean. Ensuite, Star Étincelante. Alors, Star Étincelante, c'était sorti en même temps que le jeu Pokémon Arceus, si je dis pas de bêtises. Mettre un Arceus dessus, je trouve ça totalement logique. Ils auraient pu faire le Dracaufeu. Ils auraient pu faire quoi d'autre? Ils auraient pas pu mettre Corbos ou Lumineon, ça ferait trop bizarre. Je pense que Arceus, c'est vraiment le Pokémon emblématique de Star Étincelante. Pas forcément en termes de code ou quoi, mais tout simplement au niveau de la date de sortie qui est en même temps que le jeu vidéo, etc. Donc pour moi, pareil, hein, je trouve ça très clean. Blanc avec un petit cercle derrière, etc. Enfin, je vais le mettre là. Et encore une fois, bah, je décale, hein, parce que bah, c'est un peu le principe de ça. Bon, en même temps, je réalise que ce format de tier list n'est pas forcément très simple à opérer, mais quand même. Au niveau de le TB Pokémon Center, je la trouve très surprenante, mais il y a un soleil et tout. C'est Arceus, c'est normal. C'est une sorte de dieu des Pokémon, donc je trouve ça clean. Ensuite, Darkrai. Darkrai, je sais que c'est un Pokémon apprécié de tous. Pour Astre Radieux, j'avoue que je suis vraiment surpris qu'ils aient choisi Darkrai. Il y avait Palkia, Dialga. Ils n'ont pas eu vraiment la chance d'être à l'honneur sur des ETB, il me semble. Palkia, Dialga, il y avait quoi d'autre? Il y avait pas mal de Pokémon de Hisui, etc. Je trouve que, pareil, Astradieux, bon, un peu moins quand même, je le mettrai du même niveau que Reine de Glace. Pour autant, je vais le mettre, ouais, allez, parce qu'il est attendu, etc. Je mettrai... Là, celui-là, je vais un peu le décaler parce que quand même c'est très beau. Je vais le mettre là. Mais vraiment, enfin, je dis pas que le design est moche. Je dis juste que c'est surprenant et j'aurais bien kiffé au pire même deux illustrations, Palkia et Dialga. Ça aurait été ouf. Peut-être moins bien pour notre compte bancaire et notre carte de crédit, mais j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Et moi, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais Dialga et Palkia en ETB. Donc je vais mettre ça comme ça parce que c'est quand même un Pokémon trop apprécié que moi-même j'aime beaucoup. Mais un peu surprenant, on va pas se mentir.
contrairement à Mew qui est clairement mis à l'honneur d'un point de fusion. La version Pokémon Center, alors elle est nulle, elle est beaucoup trop ténébreuse, hardcore, on dirait un film d'horreur et tout. Je suis pas fan, en vrai je suis pas fan de ouf, donc je vais le mettre là. Ensuite, Pokémon Go, rien à dire, hein. Mewtwo qui est adoré de tous et qui est, bah, au final c'est l'une des seules cartes alternatives. Je crois la seule carte en Gold et Rainbow en même temps, vu que le Dracolo, je crois qu'il est que en Rainbow, etc. Logique, le design il est magnifique, c'est du bleu, enfin franchement oufissime. Donc je vais le mettre même au même titre que le Arceus, je vais le mettre. Mais l'extension, je me rappelle, ils n'avaient pas mis qu'elle était oufissime. L'extension elle n'était pas oufissime, donc ça doit être un petit peu ici quoi. On va mettre ça comme ça, ouais. On va mordiller un peu. Mais je trouve qu'elle est un petit peu bof. On va mettre ça comme ça. Hop. Ensuite, ça, je sais pas si c'est vraiment le TB de Pokémon Center. Ça ressemble à une TB que j'avais vu passer. Et c'est en fait une énorme TB où il y a des cartes promo, machin. Mais pour autant, allez, on va la mettre du même niveau de toute façon. Parce que je suis pas vraiment sûr du contenu. Il me semble que c'est un truc un peu particulier. Ensuite, Origine perdue, je trouve ça logique. Giratina, ça a choqué tout le monde, l'alternative de Giratina. Mettre à l'honneur, c'est logique. Et on va le mettre à peu près. C'est une extension en plus assez bien. Ouais. J'aurais dit même mieux que. Ça, on va mettre ça là. C'est même mieux qu'Arceus. Elle est très très belle. Elle est très très belle, le TV. Je veux pas mettre au même niveau que Célébration par principe, parce que Célébration c'est vraiment un truc clean, mais clean de ouf. Origine perdue, je vais la mettre juste après. En termes de qualité d'extension et du design de l'ETB, c'est vraiment oufissime. Et ensuite, la version, je crois, Pokémon Center. En vrai, celle qu'on a eue en magasin, je la trouve carrément mieux. Donc, ça, je vais la mettre. Bon, elle est pas moche, mais en vrai, je suis pas fan. Soit en fait Pokémon, les ETB Pokémon Center ça décuple la beauté, soit vraiment c'est un truc je comprends pas trop. Le Pokémon tout en rouge, comme je l'ai dit, hein, je trouve que ça met pas en avant les détails alors que là en noir on voit bien tout, etc. Donc voilà. Donc c'est à peu près comme je vois les choses. Encore une fois, ETB, coffret emblématique de chaque extension. Maintenant, on a l'habitude, hein, chaque extension ETB, est-ce qu'il y aura une illustration, deux illustrations? C'est un peu particulier. Ça a commencé EB, enfin épée bouclier, avec une illustration pour chaque extension. Ensuite, ça switch à deux ETB, enfin deux illustrations par ETB par extension. Et ça a re-switch avec une illustration par extension. Donc, je ne sais pas comment ils font. Est-ce que c'est au bout d'un certain nombre d'extensions, bam, ils switch? Mais en tout cas, voilà ma classification, ma tier list des ETB. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pensez que des illustrations sont plus belles que mon point de vue, on va dire. Ou vous pensez que certaines, décidément, vous avez peut-être pas vu, mais j'ai postulé comme un ouf. Ou peut-être que vous avez pensé que j'ai été beaucoup trop gentil avec certaines illustrations que vous trouvez pas ouf. Genre y compris Zamazenta et Zacian, bon, bizarre. Je peux comprendre le Ténèbres Embrasées qui ne plaise pas à tout le monde. Moi, j'ai vraiment du mal en vrai pour Pikachu. Hein. Si c'était moi, je l'aurais mis même. Enfin, c'est moi évidemment, mais si j'aurais été vraiment strict, et j'ai pas envie d'être trop strict, je l'aurais mis même en plein milieu. Genre vraiment, je le mets d'ailleurs en plein milieu. Parce que Pikachu, j'aurais pu faire un truc de fifou quand même. Quand on voit leur qualité de TB parfois, Pikachu, j'aurais pu faire un truc clairement mieux. Je trouve un peu... En fait, c'est un peu comme la figurine dans le coffret Célébration Pikachu VMAX. C'est exactement la même figurine. Mais vraiment, genre... C'est la même chose. Alors qu'en vrai, pour ceux qui ont les cartes Pokémon Pikachu VMAX ou même qui ont vu l'anime, etc., il y a tellement de façons de mettre le Pikachu VMAX en avant. Et j'en choisis un truc assez simple. C'est dommage. Autrement, on va pas se mentir, hein, à part quelques échecs comme Clash des Rebelles, je pense que quasi tout le monde sera d'accord avec moi. Les ETB sont quand même jolis. Et quand on les rassemble devant un mur, une étagère ou quoi, ça donne un résultat de ouf. Si vous êtes chaud, je peux également survoler les ETB du bloc précédent, Soleil et Lune.
Et il me semble que ça a commencé depuis d'ailleurs bien plus longtemps, je crois, que dès XY, ça avait commencé, parce que je me rappelle de l'ETB, bah, XY Evolution, où il y avait le méga tortant, qui me semble, et le dracofeu, des trucs comme ça. Donc si ça vous chauffe, bah, je peux faire très bien une tier list des ETB assez anciennes pour le coup. D'ailleurs, c'est les plus anciennes, vu que ça a commencé à peu près à XY, donc on n'aura pas plus tôt, je pense. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas plus tôt que ça. Autrement, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on se dit bah, très très bientôt pour une nouvelle vidéo du challenge. J'espère que cette tier list vous a plu. Comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Ça aide énormément. En vrai, ça aide énormément. Et à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Buvez de l'eau, parce qu'ici, là où je suis, je crève de choses. Alors, si je bois pas, je pense qu'on me retrouve en momie. Donc, voilà. Buvez de l'eau, dormez bien. Et on se dit à très 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 bientôt. C'était votre Samosa comme d'habitude. Et à très bientôt.